Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo haul Shein. C'est la deuxième partie de mon haul. Je vous ai déjà filmé une première partie que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là, on est parti pour la deuxième partie du coup. Cette vidéo est en collaboration avec Shein. Ils m'ont demandé de faire une sélection d'articles sur leur site internet, chose que j'ai faite. Et du coup, je vous montre tout de suite la partie 2. Je vous mets à l'écran également un code promo qui vous donne droit à moins 15% supplémentaire sur votre panier. Il s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à en bénéficier si quelque chose vous plaît sur le site. En ce moment, il y a les soldes en plus, donc ça se cumule et ça, c'est grave cool. Et du coup, c'est parti pour la sélection. Mais avant ça, si vous aimez les contenus que je propose, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et vous pouvez me mettre en commentaire si une des choses que je vais vous présenter dans ce haul vous plaît. Si, alors vous allez me dire, c'est quoi ce truc? Franchement, j'ai trouvé ça hyper cool. Tout simplement une petite trousse pour mettre les sous-vêtements. Alors attendez, il faut juste que je remette ça correctement. Voilà. C'est une petite trousse comme ceci. Alors j'ai pas pu choisir la couleur, hein. Ils m'ont envoyé, c'était au pif. Et du coup, c'est en forme de sous-vêtements. Et donc à l'intérieur, ce que vous pouvez faire, et ce qui est vraiment cool, c'est que là, ça a une forme de sous-vêtements, donc de soutien-gorge. Ça vous évite de les aplatir, de les abîmer dans les transports et tout. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez mettre vos sous-vêtements là-dedans, les soutifs, les empiler. Et là-dedans, au-dessus, vous pouvez mettre tout ce qui est sous-vêtements, donc slip, slip, chaussettes, etc. Vous pouvez encore le mettre là-dedans. Et du coup, vous pouvez refermer. Je vais voir ce que ça donne quand je vous ferai la vidéo sur comment je fais ma valise, etc. Je vous dirai si clairement ça tient la route ou non. Mais en tout cas, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, si jamais vous cherchez un petit truc pour ranger vos sous-vêtements quand vous partez en voyage, etc., bah, ça peut être une idée. Je me suis pris un autre maillot de bain et celui-ci, je le trouve magnifique. Tellement joli. Donc, voici pour la culotte. Très, très, très sympa. Elle peut se resserrer sur les côtés et elle est ni trop échancrée ni pas assez. Enfin franchement elle est super belle. La couleur est incroyable. J'hésitais vachement à prendre aussi une couleur bleue. Mais clairement je pense que la couleur un peu orangée comme ça, jaune, ça va très bien aller. Et par contre pour le haut du maillot de bain, franchement magnifique. Donc c'est comme ceci, un peu effet triangle. Et en fait ce qui est pas mal c'est que ça fait le tour et vous pouvez nouer en fait. Hop, comme ceci, donc ça se noue en haut des épaules, c'est trop joli. Clairement, là ce maillot de bain, coup de cœur, il est très très bien fait, très joli. La qualité elle est top, clairement il n'y a rien à dire, je trouve vraiment super sympa. Je vous montre un dernier maillot de bain pour ma part, j'en ai pris 3 dans cette commande. Et celui-ci pareil, super joli, donc voici pour la culotte qui est une culotte taille haute. Voilà pour l'arrière, il y avait plusieurs couleurs mais là cette teinte un peu vert sapin. Est super belle et par contre du coup vous avez des petits strass là tout le long en haut, franchement hyper jolie, hyper jolie, elle remonte bien, enfin ça fait une super belle taille. Et pour ce qui est du haut, il se présente comme ceci. Alors attendez parce que c'est pas évident à montrer comme ça, il se présente comme ceci. Donc en fait vous avez le bandeau qui fait tout le tour avec du coup notamment tous les petits strass et vous fixez là à l'arrière du à l'arrière de la tête en haut. Et franchement il est très 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 joli, de très belle qualité. Il y a aussi une petite coque que vous pouvez retirer à l'intérieur, franchement hyper sympa. La couleur est super belle, il y avait d'autres couleurs hein. Il y avait je crois du bordeaux, il y avait du noir, enfin du bleu, il y avait vraiment pas mal de petites couleurs assez sympas. Mais celui-ci je l'ai bien aimé aussi, ma mère le trouve super beau. Ensuite pour ma maman j'ai pris ceci, donc ça c'est un genre de pareo, c'est taille unique, c'est vraiment pour la plage. Hop, tout noir comme ceci. Je vais vous le montrer sur moi parce que du coup c'est taille unique. Il se présente comme ceci. Voilà, c'est vraiment à mettre sur un maillot de bain. Très 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 sympa. C'est vraiment tout ouvert. Là vous avez des petites ouvertures tout le long. Ici aussi il y a des petites manches. Clairement il est très joli. Voilà pour l'arrière. Hyper sympa. Vraiment très 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 sympa. La matière hyper agréable pour aller à la plage, enfin, clairement rien à dire, trop joli. Ensuite j'ai pris pas mal de petits tops pour ma maman, ici en blanc, magnifique, franchement il est trop beau. Il y a un petit détail au niveau du col qui est un col un peu en V, incroyable, la matière hyper fluide, hyper légère, trop joli.
je trouve ça très beau. Par exemple, avec un pantalon fluide beige, ça le fait super bien. Mais j'adore. Et lui va, donc ça c'est encore mieux. Elle a pris aussi un autre un peu dans le même style, mais là cette fois-ci c'est pas blanc, c'est vraiment crème et beige comme ça. Donc c'est le même col, sauf que là il y a des petites manches. Et là la matière est légèrement plus épaisse, ça fait un petit peu plus qualitatif je dirais, mais voilà, il est très 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 beau. Pareil sur un pantalon beige, sur un jeans, peu importe, c'est hyper joli. Et je trouve que le détail vraiment est super bien fait au niveau du col et des manches. Je trouve que c'est un super beau détail et elle le kiffe, donc franchement je suis trop contente. Ensuite, dernier petit haut pour ma maman, je crois. Si je me trompe pas, dernier petit haut pour elle. Donc c'est un petit haut comme ça, tout simple. Avec pareil un petit détail au niveau des bretelles, un petit peu brodé comme ça, un peu de toutes les couleurs. C'est une teinte un petit peu camel et c'est froncé à l'avant là, c'est un peu torsadé, froncé. Il est très joli, la qualité a l'air plutôt bonne, rien à dire, un peu effet coton comme ça. Franchement super sympa, voilà pour l'arrière. Je pense aussi effectivement que ça lui plaît. Ok, du coup on va passer à des petites choses qui restaient pour moi et donc notamment... J'ai pris un lot de deux Pareo. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je pensais que c'était noir et blanc. Et en fait, c'est un genre de rose tout tout clair. Et en fait, c'est des petits Pareo. Hein. Donc, c'est tout simple comme ça. C'est à nouer comme ceci sur le côté. Voilà, je vous le montre sur la robe. Mais clairement, ça se présente un peu comme ça. C'est vraiment tout 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 léger. Donc, j'en ai un rose et j'ai le même en noir. Voilà, comme ceci, c'est vraiment pour mettre autour de la taille en fait. Mais clairement, si vous cherchez des petits pareos et tout, des trucs sympas, des tenues de plage, tout ça, je trouve que sur Shein, il y a vraiment le choix. Et c'est assez joli, il y a vraiment pour tous les goûts et tout, donc vraiment c'est cool. J'ai pris aussi une serviette. Pareil pour les vacances. C'est vrai que dans mon haul Shein, sur les accessoires, c'est le même type de serviette, donc elle est hyper jolie. J'aime beaucoup ce motif un petit peu léopard, un peu rosé, beige. Super sympa. Je vous montre d'un petit peu plus près. Elle est assez grande, hein, comme vous pouvez le constater. Et par contre, elle est hyper fine. Mais ça, c'est pas plus mal parce que du coup, dans la valise, ça prendra zéro place. Et ça, c'est top parce que souvent, j'ai des serviettes qui sont hyper larges et hyper épaisses. Et là, c'est compliqué à emporter dans la valise. Mais là, clairement, c'est assez fin. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite il me reste une robe à vous montrer. Petite robe, je pense que vous la verrez mieux sur l'image. Et de toute façon je vais vous la montrer portée. Elle est comme ceci, un petit peu couleur rouille, un peu orangée, sympa. Et par contre la matière, juste qui se froisse hyper facilement. Donc ça c'est un petit peu dommage, le fait que la matière se froisse très 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 facilement. Mais bon, je vais vous montrer la robe portée sur moi et je vous dirai ce que j'en pense. Ce qu'elle donne, du coup elle est un petit peu fendue en bas là, à ce niveau là. Je pensais que je pouvais mettre une ceinture mais clairement je vais pas pouvoir parce que l'élastique s'arrête en dessous de la poitrine. Les manches sont hyper sympas, c'est un petit peu drapé comme ça. Faut s'imaginer repasser hein, parce que j'ai pas eu le temps de faire du repassage clairement. Et voilà pour l'arrière, elle se présente comme ceci. Franchement... Elle est sympa, elle est jolie, il faut l'accessoiriser hein, clairement avec un beau collier, des beaux bijoux. Je sais pas si avec peut-être un chignon bas ou quelque chose comme ça, ça peut peut-être le faire. Donc voilà, elle est sympa. Après je sais pas si c'est une robe que tu... Ça peut être une robe de plage hein, aussi, hein. Ça peut vachement être une robe de plage parce que la matière est assez fine, assez fluide. Franchement vous mettez ça pour aller à la plage, c'est très 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 joli. Et dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est un ensemble mais du coup ça se vend séparément, notamment un pantalon comme ça. En fait je le trouvais trop joli sur le site, c'est un pantalon comme ceci, un petit peu effet soie et avec des motifs comme ça, hyper joli, franchement de très 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 bonne qualité j'ai l'impression. Et en fait vous avez la chemise qui est exactement pareil, qui est assortie. Donc exactement pareil, voilà pour la chemise. Donc c'est vraiment les mêmes couleurs et tout. Et bah du coup,
Je vais l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne porté, parce que c'est beaucoup plus parlant porté que comme ça montré. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait là j'ai juste refermé un bouton. Porté comme ça, on dirait un pyjama hein, clairement. Moi je pense que soit je mettrai avec un haut blanc en dessous et donc la chemise ouverte, ou alors comme elle le fait sur la modèle en photo, ou alors avec voilà un petit nœud comme ça. Et je trouve que c'est déjà beaucoup plus sympa, des belles chaussures, un beau sac et tout, et ça peut grave bien le faire. Et voilà du coup pour l'ensemble, ou alors vous dépareillez hein, vous mettez un haut et le pantalon, ou vous mettez la chemise avec un jeans en couleur jeans par exemple, ça peut être hyper sympa. Mais franchement je la trouve très 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 sympa l'ensemble. Voilà comment ça se présente de dos. Et je voulais vous montrer en fait le bas du pantalon. Il s'arrête juste pile poil, c'est vraiment ma hauteur, ma longueur. Parfait, vraiment super sympa. Donc voilà pour la vidéo haul, la deuxième partie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous tourner cette vidéo. Je vous remets à l'écran le code promo que je vous ai montré au début de la vidéo si vous avez envie de vous faire plaisir. En plus des soldes, vous pouvez cumuler ce code promo, donc ça c'est plutôt sympa. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker comme je vous le disais au début de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire en me disant votre pièce favorite de la sélection. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.